نزلنا في جنلي قلنا باش نشوفوا في الفيديو هذا الكا دو ليزون بارسييل c'est-à-dire les deux gènes sont éloignés les uns de l'autre sur le chromosome. Donc, dans le cas il y a des gènes les uns partiels. Quel est l'ada? Je vais prendre les couples d'allèles grand A petit A et grand B petit B. Donc, le croisement de deux parents de race pure, femelle grand A, grand B, avec un mâle petit A, petit B, puis j'attends une F1 homogène et hybride, donc 100%, elle est hybride. Maintenant, le croisement de F1 fois F1, une femelle, un mâle de F1, avec une femelle de F1. Croisement d'une femelle, donc F1 avec un mâle F1, les génotypes de, donc, génotypes de F1, grand A, grand B sur petit A, petit B. Maintenant, les types de gamètes, les chartes de chaque individu. Donc, le femelle de F1, tatina, grand A, grand B, tatina, petit A, petit B, kif kif, tatina, grand A. Petit B et petit A grand B. Mais les deux phénotypes adoma sont seulement phénotypes parentaux, gènes des parents, et les deux autres, grand A petit B et petit A petit B, sont des phénotypes recombinés. Donc des phénotypes recombinés. Les proportions de ces phénotypes maintenant, les parentaux sont de proportion 1 moins P sur 2. 1 moins P sur 2. Donc 1 moins P pour le 2. Les recombinés, le reste, P sur 2, P sur 2. Donc recombiné, total de recombiné, c'est P. De même pour le femelle. Les gamètes recombinés sont obtenus par le brassage intrachromosomique. Donc, sarc crossing over, les atteignent les gamètes recombinés. B. La proportion des gamètes recombinés, le total en termes ou P. Total en termes Zeus. Atom Zeus. Total P au total des parentaux 1 moins P. Et puis, j'ai une remarque, moi, ma barche remarque est dit. Le mâle de drosophile. Le mâle de drosophile mais amène le crossing over, donc pas de crossing over chez le mâle de drosophile. C'est-à-dire, donc, il suffit de choisir le mâle de, bien sûr, hybride hétérozygote pour les deux caractères. Grand A, grand B, par exemple, sur petit A, petit B. J'ai seulement deux types de gamètes. Grand A, grand B, et petit A, petit B, avec des proportions 1 demi, 1 demi. 4 mais amèlche non crossing, mais amèlche brassage intra-chromosomique. Nous avons le chiquier de croisement, puis nous avons donc 4
Je trouve donc les phénotypes, quatre phénotypes en fait, les quatre types de gamètes, il y en a un moins P sur 2, un moins P sur 2 pour les parentaux, un moins P sur 2 et un moins P sur 2. Et pour le recombiné, un moins P sur 2 et sur 2. Non. En fait, je trouve quatre phénotypes. Les quatre phénotypes seront grand A, grand B, petit a, petit b, grand A, petit b et petit a, grand B. Les proportions terme à l'homme, dans quatre phénotypes. Les proportions تاعهم باش يكونوا دونك شفنا في الكاد جين انديبوندون اللي لي بروبورسيون تاع الاف 2 في جين انديبوندون 9 sur 16 9 sur 16 9 sur 16 3 sur 16 3 sur 16 1 sur 16 donc 4 phénotypes de proportion de répartition 9 3 3 1 اللي هنا باش نلقاو 4 phénotypes mais répartition تكون différente de 9, 3, 3, 1. Voilà, différent de 9 sixième, 3 sixième, 3 sixième, 1 sixième. M, 4 phénotypes. Je dois vous faire l'idée. Nous avons le F2. Nous avons 4 phénotypes. Ils sont différents de 9 sixième, 3 sixième, 3 sixième, 1 sixième. Donc, les nerfs ont des gènes liés. Et partiellement lié. Et oui, il y a une femelle donc de F1, croisement suivant, donc femelle de F1 de phénotype grand A grand B, avec un mâle de phénotype petit a petit b. Donc un mâle double récessif. En fait, le croisement réveil, c'est un test cross. Test cross. Génotype de F1, grand A, grand B sur petit a, petit b. Génotype de l'hybride, petit a, petit b sur petit a, petit b. Donc, les gamètes. L'hybride, le double récessif, désolé, double récessif qui a un seul type de gamète, grand A, petit b, 100%, et le double hybride, le F1, a 4 types de gamètes. Donc, je t'attends grand A, grand B, petit a, petit b, grand A, petit b, et petit a grand B. Non. Les gamètes, les proportions, c'est les parentaux, donc 1 moins pi sur 2, 1 moins pi sur 2, puisque ce sont des gamètes parentaux, et pi sur 2 pour les recombiner. Pi sur 2, pi sur 2, donc, pour les recombiner. Non, mais je suis donc contre des gamètes. L'ENA a donné 4 phénotypes. Les 4 phénotypes de proportion terme 1 moins P sur 2, 1 moins P sur 2, P sur 2, P sur 2. Donc, les fiches, donc les proportions 1 moins P sur 2, 1 moins P sur 2 sont majoritaires. Par contre, on a le cas, proportion terme qui est où le P sur 2 et P sur 2 sont minoritaires, donc des phénotypes minoritaires, on va les recombiner. Donc, qui fait chenille le P, qui fait chenille le P, peut-être tout ça, ça va être comme chenille le P. Le P, qui fait chenille le P. Le P, donc, il y a quand même chenille le 1%, il y a un nombre de
recombiné sur total, donc on a d'abord fait son, donc fait un nombre de recombinés sur total fois un nombre de façon, bien sûr, une trace de LP en pourcent. LP est en fait LP comprise entre 0 et 50, ou LP en pourcent, donc entre 0 et 0,5, ou LP en pourcent comprise entre 0 et 50. Il suffit de savoir comment on calcule LP facilement à partir, bien sûr, des résultats expérimentaux qu'on a, pour calculer LP, ومنها نطلعوا لي جين بيان سور باش نطلعوا لا بوزيسيون دي دو جين اي اون ديتيرمين لا ديستانس انتر لي دو جين. شنو هي ديستانس انتر لي دو جين؟ لا ديستانس انتر جين جين هي البي اون بورسون, c'est-à-dire le nombre de recombinés sur total de poissons. Mais l'unité mtéha, mais en pourcent, l'unité, elle est 6 centimorgans. Cm, centimorgans. Il suffit d'aller à la distance, mais je me nourrisse la carte factorielle. La carte factorielle ou la carte génétique. Tout simplement, je vais aller à l'hydrogène. Par exemple, je vais lui donner grand A, petit A. Je vais donner grand B, petit B. Je vais mettre la distance entre les deux gènes. Distance entre les deux gènes, elle est l'unité interne entre distance et distance, l'unité centimorgans, cm. Les deux phénotypes adômes, donc majoritaires, sont parentaux. Majoritaire. Et les deux autres phénotypes de proportion P sur 2 P sur 2 sont recombinés minoritaires. C'est en résumé, donc, on a fait le test cross et dès qu'on a 4 phénotypes de proportion 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart, en gros, les gènes sont indépendants. Et dès qu'on a différents de 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart, en gros, les gènes sont liés. Ou bien sûr, on a 4 phénotypes qui sont le cas de 2 majoritaires et 2 minoritaires, les ont partiels. ان شاء الله تكونوا فهمتوا البلاي ليست هذه تاع جينيتيك ديبلويد, تبعوها من الاول للاخر بحول الله, جينيتيك ديبلويد ترتاحوا منها وتفهموها بالباهي. ما تنسوش باش تعملوا جيم للفيديو, ابوني في الشين اي بارتاجي الفيديو مع اصحابكم اللي قراو معكم, وان شاء الله ملتقانا في فيديوهات اخرى.